Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Samir, vous m'entendez? Naam, Cheikh, et n'oubliez pas les annotations. D'accord, barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألينا أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله عز وجل. En cet après-midi du vendredi 15 Ramadan 1441 de l'Hijr, soit le 8 mai 2020. Dans la deuxième série de questions-réponses pour le Ramadan, bi'idnillahi ta'ala. Donc on commence, inshallah. Donc première question. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Étant en France, je connais beaucoup de frères et sœurs nécessiteux qui vivent dans les pays musulmans. Est-ce permis, à la fin du Ramadan, bi'idhnillah, de récupérer en argent les zakat ou le fitr de mes connaissances ou de créer une cagnotte pour plus de simplicité et les envoyer dans les pays musulmans à des personnes nécessiteuses qui eux-mêmes achèteront leur nourriture avec cet argent tout en respectant les quantités? Comme vous le savez, dans les pays musulmans, il n'y a pas autant d'aide qu'en France et les gens sont beaucoup plus en difficulté, wallah al-musta'an, surtout avec cette épreuve de virus. Est-ce donc permis de procéder ainsi? Jazakumullahu khaira. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc la personne qui demande si elle peut récolter de l'argent ou alors récolter l'argent de zakat al-mal, za'afun zakat al-fitr, et de l'envoyer pour les nécessiteux dans d'autres pays, jeudi. Si c'est l'argent de la zakat al-fitr, l'argent de la zakat al-fitr, premièrement, comme vous savez, zakat al-fitr, c'est pas de l'argent, c'est de la nourriture. Deuxièmement, si maintenant on va lui donner de l'argent pour que lui, il envoie des gens à l'étranger qui vont la transformer en nourriture pour la donner. Ça, c'est permis, bi'idhnillahi ta'ala. Il faut que ça soit, yani, transformé en nourriture, yani, et non pas, yani, que ça reste comme ça de l'argent chez les gens pour les nécessiteux. C'est pas permis. Il faut déléguer quelqu'un qui va acheter de la nourriture et la faire sortir. Non. Ensuite, cette chose n'est possible aussi que, il y en a un ou deux jours avant l'Aïd. Ce n'est pas, par exemple, le début du Ramadan ou là au milieu. Là, il faut que ça soit un jour et certains ont permis deux jours avant l'Aïd. Sinon, la vraie sunna, c'est de sortir la nourriture le matin de l'Aïd. Le matin juste, et aller avant la salat. Mais comme c'est très difficile, évidemment, on dit c'est permis une nuit avant, ou certains disent même deux. Non. Quant à, si c'est pas la zakat al-fitr, si c'est l'argent d'une récolte, yani normale, une cagnotte, yani, ça c'est possible en n'importe quel moment. Même maintenant, 10 jours, 15 jours avant, c'est possible de l'envoyer là-bas. Et yani, celui qui va acheter la nourriture là-bas, avec cet argent, il doit la distribuer la veille, s'il peut, car le lendemain, même si c'est sunnah, c'est très difficile. Hein? Donc la veille, ou alors, deux jours avant, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal a'lam. Fadlan, on passe à la deuxième question, bi'idhnillah. Na'am, jazakum Allah khaira. Deuxième question. Mais ça s'affiche. Naam, deuxième question. Pouvez-vous faire une nasiha concernant l'excès de nourriture lors du repas de la rupture du jeûne? En effet, beaucoup de familles font une multitude de plats et passent des heures et des heures en cuisine.
تفضل شيخ. نعم في الحقيقة يعني en réalité يعني ce qu'il faut remarquer et savoir et c'est même impossible de le nier c'est que les temps ont changé. Autrefois au temps des salafs et au temps du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam par exemple le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui-même peut rester des fois trois mois jusqu'à trois mois qu'il ne mangeait que dattes et quoi enlever la caméra en face de moi seulement dattes et eau. Et sauf yani, un voisin qui de temps en temps lui donnait yani, lui ramenait un peu de lait un peu de lait mais maintenant comme vous savez yani, ça a beaucoup changé et Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert yani, ses portes et ses ni'ma maintenant yani, au point où yani, surtout pendant le ramadan les gens mangent peut-être 3-4 plats différents peut-être la salade, la soupe, le dessert, le jouez, le plat principal, comme ça. C'est ce qui fait que, pour préparer tout cela, ça doit prendre beaucoup de temps à la femme qui est dans la cuisine. Non. Et même, je ne pense pas que les enfants, par exemple, ou que le mari, non, surtout les enfants, acceptent que, par exemple, elle ne fasse qu'un seul plat. La chambre, par exemple, c'est tout. Il y a la soupe aujourd'hui, c'est tout pendant le ramadan. Sûrement qu'ils ne vont pas accepter. Et donc, par conséquent, elles sont obligées de yani, rester un certain temps dans la cuisine. Même si elle ne doit pas être très occupée dans la cuisine, surtout pendant le ramadan. Mais comme j'ai dit, cela dépend aussi de sa famille. Non. Et des exigences des enfants. Sinon, la sunna, c'est de ne pas perdre beaucoup de temps dans la cuisine, mais plutôt yani, lire le Coran, la faire le vikula. Mais comme j'ai dit, les temps ont changé. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. On passe à Allah ta'ala la troisième question. Naam, jazakumullah khairan cheikh. Avant la troisième question, j'en profite pour réitérer le message concernant les webcams. S'il vous plaît, jazakumullah khairan. Veuillez ne pas activer votre webcam. Yani, quand vous rentrez dans la room, dans la salle, la webcam est automatiquement désactivée. Donc, n'ayez pas la curiosité, entre guillemets, de cliquer sur le bouton webcam. Ça n'a aucune faïda, au contraire. Donc, s'il vous plaît, ça dérange le shir, ça apparaît après sur son écran. Et nous, pour désactiver, ça peut nous prendre un certain temps. Donc, s'il vous plaît, jazakumullahu khairan, respectez cela, min fadlikum, wa barakallahu fikum. Passons à la troisième question. Une seconde. Moi aussi, je profite de dire une chose. Ceux qui yani, activent leur webcam, celui qui ne sait pas, on lui dit. Et celui qui réitère et refait la même chose, surtout la troisième fois, celui-là, tu peux l'éjecter directement. Fais-le sortir du salon parce qu'il fait exprès, il est venu pour la caméra, il est venu voir qui est en train de faire ce qu'il fait. Deuxième. Excuse-le, la troisième, très bien. Troisième question. Beaucoup de gens ne prennent pas le suhoor en disant « Je n'ai pas faim et j'arrive à tenir la journée. » Pouvez-vous nous éclairer sur cette manière de penser ? Jazakumullahu khairan. Non. Donc, avant de passer au suhoor, ça m'a rappelé une chose. D'ailleurs, j'ai écrit ici pour ne pas oublier une baisse. C'est que, voilà, dans ce zoom, il m'est arrivé déjà de le faire la fois passée, de faire passer des fois des vidéos, comme j'ai fait passer la fois passée de Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Mais il s'est passé juste un petit incident, c'est que, on m'a rapporté qu'une personne a dit que, par exemple, son épouse n'était pas, d'avis de voir des hommes. Voilà, je voudrais ouvrir juste une parenthèse pour dire, inshallah ta'ala, que, il y a une divergence entre cette chose. Est-ce que la femme peut voir l'homme si c'est pas avec passion et avec tentation ou ce n'est pas possible? Et j'ai dit qu'il y avait deux avis. Non, il y a deux avis. Et le deuxième avis, Asma, la caméra. De toute façon, le deuxième avis dit que c'est permis s'il n'y a pas de shahwa. Mais si c'est juste pour voir, ils disent que c'est permis, mais ils ne disent pas non. Et moi,
Maintenant, moi, je respecte l'avis qui dit, yani, que je suis d'avis du premier avis qui dit on voit pas. Si c'est comme ça, cette personne ou les gens qui sont de cet avis doivent aussi respecter mon avis qui dit, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a pas de mal en cela. Alors, pour qu'on soit d'accord, quand je passe moi une vidéo, la personne qui est d'avis qui dit je ne vois pas, elle ferme les yeux, c'est tout. Ou bien elle détourne comme ça sa tête. Quand la vidéo se termine, elle revient. Et je donne juste, si je dois profiter, je donne juste la vie de Cheikh Ibn Othaymin. Il a fait le Cheikh Mohammed Ibn Othaymin, on lui a demandé, c'est quoi le jugement de la femme qui voit l'homme à la télévision, en voyant la télé, ou bien le fait de le voir dans la rue. فأجاب إلى ريبوندو رحمه الله نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء كان في التلفزيون أو في غيره يعني le fait que la femme regarde l'homme ne sort pas d'un des deux cas que ce soit dans la télé à la télé ou là dehors premier cas نظر الشهوة elle regarde avec plaisir وتمتع et passion فهذا محرم ça c'est haram parce que ça contient يعني مفسدة وفتنة فتنة et مفسدة un grand mal. Deuxième cas, nadaratun mujarrada. Juste un simple regard où il n'y a rien. Là, la shahwa fiha ou la tamattu. Ni passion, ni plaisir, ni rien. Fa hadha la shay'a fiha. Ça, yani, ça ne comporte aucun mal à le sahih. D'après l'avis le plus fort, min aqwal ahli al-ilm. Des gens du ilm. Yani, ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Othaymin. Wa hiya ja'iza. Et c'est permis. Imatabata fi sahihain. Car, c'est authentique dans les deux livres authentiques que Aïcha radiallahu ta'ala anha qu'elle tendre, elle regardait il a l'Habasha les Éthiopiens, les Abyssiniens qui sont venus à Médine jouer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallam l'a caché d'elle eux ils ne pouvaient pas la voir et elle pouvait les voir. Et aussi parce que les femmes, elles marchent dans les souks, dans les marchés. Et regardent les hommes, même si elles portent le hijab ou le djibab. La femme regarde l'homme, même si lui, il ne la regarde pas. C'est-à-dire qu'elle a le droit de regarder s'il n'y a ni shahwa, ni suspicion, ni rien. بإذن الله سبحانه وتعالى طيب في سوقتي سون بولوار نعم إيه يا وفي لافي دو شيخ بن باز رحمه الله تعالى جي با لي رونونتي نعم تري فيت جو بو سي تو طيب طيب جي مال بريباري جي مال بريباري نعم سينو يدي لا ميم شوز نعم يدي لا ميم شوز يدي بإذن الله تعالى كو سي بيرمي كيل فوا si yani, le regard est simple et il n'y a pas de suspicion, Inch'Allah Ta'ala. Revenons au sahur ou la suhur. Suhur, c'est le fait de manger, d'aller manger, et sahur, c'est ce qu'on prépare, bidillahi ta'ala. Ah, le Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah ta'ala, fi fatawa nour al-darb, charit 228. Est-ce qu'on avait lu le su'al, Samir? Est-ce qu'on avait lu la question? J'avais eu la question à relire, il n'y a aucun souci, cher. Peut-être certaines personnes viennent de nous rejoindre. Naam. Donc, troisième question. Beaucoup de gens ne prennent pas le suhoor en disant « Je n'ai pas faim et j'arrive à tenir la journée. » Pouvez-vous nous éclairer sur cette manière de penser? Jazakumullahu khairan, cher. Cher, on ne vous entend pas. Naam. Par rapport au suhoor, naam, jazakumullahu khairan, Cheikh Ibn Othaymin rahimahullah ta'ala a dit dans Fatawa Nour al-Darb. شريط numéro 228 cassette numéro 228 اكل السحور نعم اكل السحور سنه c'est une sunna ان اكله الانسان فهو افضل s'il mange c'est le mieux لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا يعني mange السحور فان في السحور بركه le السحور هذا il contient quoi la bénédiction de la zawjil وان لم ياكله فلا حرج عليه s'il ne mange pas le السحور يعني il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. وكثير من الناس يتعشى في الليل عشاء كثيرا فإذا قام في آخر الليل لم يكن مشتاقا للأكل فيبقى على عشائه. Il a dit beaucoup de gens, et c'est vrai ça, il a dit, ils mangent beaucoup lorsqu'ils mangent la nuit. Ensuite,
Ensuite, s'il se réveille pour manger le sahur, il trouve yani, qu'il n'a pas faim. Donc, il reste yani, sur ce qu'il a mangé auparavant. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'était donc la question numéro 2 ou 3, inshallah ta'ala, je ne me rappelle pas. La trois, Mais on c'était la passe trois. la troisième. On passe, inshallah ta'ala, bi'idhnillah ta'ala, à la quatrième. Naam. Donc, quatrième question. J'aurais besoin d'un conseil concernant les prières de Tarawih. Je suis la seule personne qui peut diriger la prière dans ma maison et ma question est la suivante. Lorsque je dirige la prière, je lis sur le mushaf, mais je bégaye durant la lecture et je ne ressens aucun khushu'a, car je suis concentré sur cette dernière. Quel conseil pourriez-vous me donner, cher? Jazakumullahu khairan. Je vais répondre, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle parle du khushu'a. Elle parle du khushu'a, elle dit qu'elle n'a pas de khushu'a quand elle lit, ou quand elle récite le Coran, ou quand elle prie, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. D'abord, faut-il savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le verset, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sourate Al-Mu'minun. Qad aflaha Al-Mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Ceux qui sont humbles dans leur salat. Donc les bienheureux sont, ce ne sont pas seulement ceux qui prient, mais qui prient avec khushu'. Donc pour faire partie des bienheureux, la Ta'ala ne demande pas seulement de prier, mais de prier avec khushu'. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit que le khushu', yani, se divise en deux sortes. Hein. Un khushu' qui n'est pas obligatoire et un khushu' obligatoire. Le khushu' qui n'est pas obligatoire, c'est le khushu' du cœur. En fait, c'est très difficile, yani, de faire venir le khushu' et de le placer dans le cœur. Et alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas mis, yani, dans le niveau, le statut de l'obligation, sinon yani, la plupart des salats des musulmans n'auraient été pas acceptés. Donc par rapport au khushu' du cœur, ce n'est pas yani, l'obligation. L'obligation, c'est tamanina, c'est l'apaisement, de se sentir apaisé. Yani, c'est obligatoire. Le prophète a vu quelqu'un prier sans apaisement comme ça, yani, très vite, il fait le quoi? Très vite, il fait surtout très vite, il s'assoit très vite. Il a dit, refait ta salat, tu n'as pas prié. Alors qu'il avait prié. Mais prière sans apaisement, cela ne compte pas. Comme beaucoup de gens, il est en train de prier dans le vide. Non, parce que il faut qu'il y ait l'apaisement. Donc, le khushu' qui n'est pas obligatoire, c'est le khushu' du cœur. La parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahoullah. Et le deuxième khushu' qui est obligatoire, le khushu' des membres. Des membres. C'est-à-dire, on ne doit pas jouer avec nos membres, avec nos mains, et aller plusieurs fois se gratter. C'est obligatoire ce khushu'. Non. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahoullah, deux sortes de khushu'. Et aussi, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن معيقب رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة فقال إن كنت لابد فاعلا فمرة صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دابخي معيقب رضي الله تعالى عنه إلى دي جاي دوموندي أو بروفيت عليه الصلاة والسلام يعني كون لا بيرسون إي أون تران دو بريي إل توش باغ إكزومبل لو كايو ولا لونلف كيك شوز يعني لو كايو كوم سا دو باسكو أوتروفوا il se prosternait directement sur le sable ou la terre. Et quand il se relève, il a sur son front, il a beaucoup de sable. Il a dit, est-ce que c'est permis d'enlever? Il a dit, si tu dois le faire, alors fais-le une fois. C'est pas à chaque fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ça, c'est le khushu' des membres, comme j'ai dit tout à l'heure. Contrairement au khushu' du cœur. Non. On revient sur la terre où on était. Non. Il y a Cheikh Ben Othaymin, وهل الخشوع واجب est-ce que le khushu' أو est سنة؟ obligatoire ou sunnah? قال بعض أهل العلم إنه واجب وأن الإنسان إذا استرسل مع الوساوس حتى غلبت على صلاته كلها أو أكثرها
فصلاته باطلة. S'il fait beaucoup يعني, de gestes. يعني, certains savants disent comme ça. Il dit que beaucoup de textes يعني, prouvent que khushu c'est quelque chose de vraiment يعني, important dans la salat. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يميل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية فإنه ساق أدلة كثيرة يقول فيها ومما يدل على وجوب الخشوع يعني كي موف كو لو خشوع توبليغاتوار دعم ولكن هل تبطل الصلاة بفواته؟ مي سي مانتون يا با دو خشوع اسك لا صلاة سانول هذا محل نظر. Ça, c'est, ça demande des efforts. Des efforts, يعني, d'ijtihad pour donner la réponse. Parce que des fois, la personne se trouve dans la distraction dans la salat et ne peut pas s'en départir. Comment qu'elle fait ? Maintenant, il y a des idées, des pensées qui me viennent dans la tête, je ne peux pas les. Et mon départir d'elle. Comment je fais? Donc, ma salat va s'annuler. Et la plupart des savants ont dit que le khushu' n'est pas obligatoire dans la salat. Et que la personne, d'après cet avis, si du début de la salat jusqu'à sa fin, elle ne fait que penser. Pensez à des choses يعني, qui ne sont pas dans la salat. Pensez à sa maison, ses enfants, sa voiture. Il a dit, même s'il fait ça du début jusqu'à la fin, sa salat est valide. Est valide. Sa salat est valide. Non, valide et valable. Et ils sont basés يعني, sur cela, sur le hadith qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala يعني, a excusé يعني, ma communauté, comment dire, a excusé ma communauté يعني, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense, c'est-à-dire ce qu'elle dit dans son cœur, dans son âme, à condition qu'elle n'extériorise pas cela, c'est-à-dire que ça reste au niveau de à l'intérieur du cœur, mais ne le dit pas pour ça verbalement. وهذا عام واستدل أيضا بدليل خاص وهو أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته فيقول أذكر كذا يوم كذا وكذا وظهر الحديث أنه لو غلب على الصلاة وأكثرها فإن صلاته صحيحة Ils sont basés aussi sur le hadith qui dit que la personne quand elle rentre dans la salat le shaitan il vient commence à lui dire dis telle chose rappelle-toi telle chose pour le faire oublier et يعني, ça reste, le hadith est resté comme ça au global et général. C'est-à-dire que même s'il dit ça du début jusqu'à la fin, il est avec le chef en train de lui parler, de lui dire dis ceci, dis cela, il est en train de le faire oublier, donc il n'a pas trop choix. Ils ont dit sa salat, et le hadith n'a pas dit que sa salat était nulle. On se suffit, Inch'Allah Ta'ala, à cela par rapport à ce qu'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Ta'ala, et on passe, Inch'Allah Ta'ala, à la nouvelle question, bi'idhnillah Azza wa Jalla. Donc, question numéro 5, bi'idhnillah Ta'ala. Na'am, barakallahu fikum, Cheikh. Donc, cinquième question. Puisse Allah Azza wa Jalla vous récompenser de la meilleure manière pour toute la science bénéfique que vous propagez, ainsi qu'aux admins pour leurs efforts. Lors des prières de Tarawih, est-ce que la femme a plus de récompenses en priant avec son mari ou est-ce préférable pour elle de prier seule si elle a une meilleure concentration en récitant elle-même ? Jazakumullahu khaira. Qala Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dans son livre Fatawa Nour al-Darb 8246. Ida da'at al-hajatu an yaqra'a min al-mushaf li kawnihi imaman. Si la personne est dans le besoin de lire, quand il prie, il lit du Coran. C'est-à-dire, il le prend par exemple entre ses mains, il lit. N'am. Ou bien la femme est en train de prier pendant la nuit et elle prend le Coran et elle lit. N'am. Ou bien l'homme, n'am, aussi. Il
qui ne connaît pas beaucoup le Coran, il a dit فَلَا حَرَجْ فِي ذَلِكَ. Il n'y a aucun problème donc de lire avec le Coran يعني, entre les mains ou sur un support, ou là, comme j'ai dit la fois passée. وَقَالَ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وَالْأَفْضَلْ لِلْمَرْأَى le mieux pour la femme أن تصلي في بيتها qu'elle prie à la maison et non pas à la mosquée, c'est-à-dire pour Tarawih. Il a dit le mieux c'est qu'elle prie dans sa maison. Et Cheikh Ibn Uthaymeen lui-même qui a dit ça, a dit dans un autre livre, et même Cheikh Ibn Baz, les deux, ils ont dit, mais si elle sait que si elle reste à la maison pour lire, c'est difficile, par exemple, elle trouve de la paresse, ou bien moi j'ajoute, ils sont nombreux dans la maison, c'est difficile à prier, il n'y a pas de khushu, il n'y a rien, et que pour elle, dans la mosquée, il y a plus de khushu, là, ils ont dit, c'est permis qu'elle aille à la mosquée. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, حَتَّى وَإِنْ كَانَ هُنَكَ مَسْجِدٍ. Il a dit, c'est mieux qu'elle prie à la maison, même s'il y a une mosquée, il faut qu'on fasse salat tarawih. Même s'il y a une mosquée où on prie tarawih. Et je vous ai dit ce qu'il a dit dans l'autre livre. وَإِذَا صَلَّتْ فِي بَيْتِهَا et si elle prie dans la maison, فَلَا بَأْسَنْ تُصَلِيَ جَمَعَ. Il n'y a pas de mal qu'elle prie jama'a, en groupe. فِي أَهْلْ بَيْتْ مِنَ النِّسَى. Un groupe de femmes, ils prient, يعني, en groupe. Ça, c'est mieux, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Et dans ce cas, il a qu'un tlat tahfad min Qur'an illa qalila, c'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup de Coran, fala antaqra min mushaf. Elle peut prier en, prier en lisant du livre, du Coran, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, pour répondre à la question, yani, je reviens à la question, j'avais dit quoi exactement? Non. Est-ce que la femme Tarawih, est-ce que la femme a plus de récompense en priant avec son mari ou est-ce préférable pour elle de prier seule si elle a une meilleure concentration en restant elle-même? Le mieux, c'est de prier en groupe, bi'idhnillahi ta'ala. C'est qu'elle prie derrière son mari, c'est comme si yani, elle allait au Tarawih, bi'idhnillahi ta'ala. Et si son mari yani, ne lit pas bien ou là, elle ne trouve pas trop chaud derrière lui ou là, elle peut prier toute seule. Elle peut prier tout seul, car tout cela, ça rentre, c'est seulement une nafila. Si elle ne veut prier même pas, si elle ne veut pas prier du tout, elle ne prie pas. Elle n'a pas de isthme, elle n'a pas de péché. Pourquoi? Tout ça, c'est une nafila. Celui qui le fait, c'est mieux. Celui qui ne le fait pas, il n'a pas de péché. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On passe sur la ta'ala à l'autre question qui suit. Bi'idhnillahi ta'ala. Ah, M. Hadim. C'est celle qui vient maintenant, c'est la sixième, inshallah ta'ala, ou la septième, on va voir la sixième. Ça demande un peu de temps, on patiente, inshallah ta'ala. Fadal. Naam, donc sixième question. Mon frère de 21 ans, Allahumma barik, veut prier avec moi, entre parenthèses, au moins pendant le mois de Ramadan. Mais il ne sait pas prier et ne connaît pas le Fatiha. Est-ce qu'il peut se positionner à côté de moi en sachant que je suis une femme? Il n'a pas l'intention d'apprendre à prier de peur de la délaisser. Wallah al-musta'an. Donc, si je comprends ici, c'est que cette sœur demande s'il peut prier avec elle, être par exemple là, à sa droite ou là, non, à côté d'elle, se positionner à côté d'elle et prier, en sachant que c'est juste une année pour la da'wah et que, inshallah ta'ala, pour qu'il apprenne à prier et qu'il n'arrête pas. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà la réponse, inshallah ta'ala. Donc, c'est une question qui a été posée à Cheikh Ben Baz. Inni ukhtukum, je suis votre sœur en islam, je lis directement, je traduis directement simultanément pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je m'appelle Oum Youssef, je suis votre sœur en islam de Muhafazat Ninoui, d'Irak, Naam. Du gouvernorat, voilà, comment ça s'appelle, la wilaya on dit, nous, Ninoui. Je suis venu avec ma lettre Hadi en espérant yani, que vous répondiez, inshallah ta'ala, sous Hadi C, et que Allah ta'ala vous accorde yani, tous les bienfaits. Hadi Hek Li, est-ce qu'il m'est permis de prier en groupe avec mes enfants, hein, c'est-à-dire, c'est elle qui les guide, ou Ajhar Bikira'a, et je dis à voix haute, li ajli istifadatihim, pour que yani inchallah ta'ala il trouve des faïda quand il yani il voit comment je lis, etc. Wa hifdhihim lil ayat, et en même temps pour qu'ils apprennent le Coran, sachant que le plus grand de mes enfants a 11 ans. Je les regroupe wa ahuthuhum 'ala salat, et je les exhorte à prier yani en groupe tout le temps.
يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى المشروع للأولاد الذكور كي يعني ليجيفيري بور لي زونفون يعني الذكور لي دو سيكس ماسكولين ان يصلوا مع الناس في المسجد كي دواف بري يعني à la mosquée, ce n'est pas à la maison. Les enfants, les hommes en général, doivent prier à la mosquée. Wa idha ma sallu ma'ahum, s'ils ne prient pas avec eux, faites-vous salat. Ils sont allés à la mosquée, par exemple, ils ont trouvé que la salat est terminée. Wa sallaiti anti, et que toi, c'est-à-dire la sœur, ou Youssef, toi, na'am sallaiti, tu groupes, yani, tu pries, yani, comme imam, imama, na'am, avec les filles. وهم يصلون بأنفسهم وحدهم les hommes prient seuls quand ils reviennent de la mosquée s'ils trouvent que la prière est terminée نعم c'est comme ça أما أن تصلي كنت أنت يعني toi tu vas guider أنت بالرجال tu vas guider les hommes ولو كانوا صغارا نعم فهذا المرأة ne guide jamais les hommes il a dit المرأة لا تأم الرجال Et il a insisté, « وَلُوْ كَنُوْ سِغَارًا » Même si l'enfant a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 5 garçons, la femme ne peut pas يعني, le guider. Il doit prier tout seul, pas derrière sa mère, ni sa sœur, ni sa tante. Non. La réponse, je l'ai dit, je l'ai montré la fois passée, que même si des petits, يعني, la femme ne peut pas guider un enfant. Elle guide les filles seulement et les femmes. بِإِذْنِدَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Non. On passe sur la ta'ala à la septième question bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, Cheikh. Et Cheikh, vous avez vu à la fin de la question, subhanallah, shaytan. Elle a dit qu'il a peur, il n'apprend pas à la prière, il n'apprend pas à prier, de peur de la délaisser, subhanallah. Oui, elle dit c'est une excuse yani, qui n'est pas valable. Comment je connais quelqu'un qui a dit je ne veux pas prendre le Coran, je lui ai dit pourquoi, je le connais personnellement. Il m'a dit pour que je ne sache pas ce qu'il y a à l'intérieur pour que yani le hujja pour que la preuve ne s'établisse pas sur moi. Mais demain devant Allah Ta'ala, je vais lui dire ya Allah ana jahil. Je suis un jahil, je ne connais rien du Coran, pour qu'il me dise pas pourquoi tu as fait cette chose, pourquoi tu n'as pas fait cette chose. Je vais lui dire moi je suis jahil, je connais rien dans le Coran. Donc c'est mieux de ne pas l'apprendre pour que je trouve une exclusion au triyama. Miskin. Miskin, il sait pas que Yani, c'est tout à fait le contraire. C'est maintenant que la preuve s'est établie contre cette personne, Billahi Ta'ala. Naam, tfaddal. Naam, jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, septième question. Puisse Allah Ta'ala vous récompenser pour vos efforts et accepter de vous vos œuvres ainsi que ceux des admins pour ce que vous nous apportez. Ya Cheikh, mon père est décédé. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Amin. Ma question est de savoir comment faire pour rattraper ses mois de Ramadan non jeûnés durant sa jeunesse, entre parenthèses, avant qu'il se marie avec ma mère. Y a-t-il un acte expiatoire à faire? Jazakumullahu khaira. Je dis, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam, ala rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yani, qaddar Allahu ma sha fa'al, mais yani, quelqu'un qui n'a pas rattrapé ses mois de Ramadan non jeûnés, yani, durant sa jeunesse avant qu'il se marie, et qu'elle a, seulement, je voulais dire, sauf que la personne n'a pas expliqué ici, n'a pas été très explicite pour dire, quand elle a dit, comment rattraper ces mois de Ramadan non jeûnés durant sa jeunesse. Comment rattraper ces mois de Ramadan non jeûnés durant sa jeunesse. Je pense que vous vous souvenez très bien que dans le cours passé, j'avais cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qui a dit quoi? Et c'est dommage, j'ai oublié pour la ramener aussi cette fois. Inch'Allah, si j'oublie pas la prochaine fois, surtout si cette question se réitère encore une fois. Non, il a dit quoi, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala? Il a dit que toute personne qui a délaissé le Ramadan, non, pas parce qu'elle ne savait pas que c'était obligatoire, mais par insouciance. La personne sait que c'est le Ramadan, il dit je ne jeûne pas moi ce Ramadan, c'est quoi le Ramadan, je suis fatigué, je ne jeûne pas. Moi, toute personne qui délaisse le Ramadan par insouciance, qu'elle ne pouvait pas rattraper. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il a dit c'est exactement comme la salat. Une personne qui n'a pas prié pendant des années, est-ce qu'on va lui dire maintenant on va rattraper ta prière?
Pourquoi, dit Cheikh Ibn Othaymine, pourquoi il ne rattrape ni le siyam ni la prière? Pourquoi? Parce que ce sont des adorations momentanées, qui ont des moments. Le dhohr, il commence à telle heure, il se termine à telle heure. Tu ne peux pas le prier avant et tu ne peux pas le prier après. Est-ce que maintenant, moi, je peux prier Salat al-Isha? Je ne peux pas. Son moment n'est pas rentré. Est-ce que je peux prier année après? Année le matin, à 8 heures, je vais prier Salat al-Isha? Je ne peux pas. Pourquoi? Son moment est sorti. La même chose pour Siyam. C'est un mois qui s'appelle le Ramadan. Il commence le premier Ramadan, il se termine le 30, des fois le 29. Tu peux pas prier avant et tu peux pas prier après. Chez Wal, tu vas prier le Ramadan. Tu peux pas. Sauf pour quelqu'un d'excusé, quelqu'un qui est malade ou la femme qui est malade. Non. Donc, cette personne, on doit lui faire beaucoup de doigts. Ses enfants lui font beaucoup de doigts. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais ils n'ont rien à rattraper. Il a été là à sa place. Non, tfadl. Jazakumullah khairan, cher. Donc, c'est la 8e question. Il a été là. Donc, 8e question. Que peut faire la femme ayant ses menstrues durant les 10 dernières nuits du Ramadan afin de combler le fait qu'elle ne puisse pas prier durant ces nuits? Jazakumullah khairan. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, c'est lui qui a voulu, de par ses sunan al-kawniya, yani, ses sunan universelles, de faire que la femme, yani, ait ce qu'on appelle, yani, les menstrues. Non. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est excusée si elle ne prie pas. Et elle ne peut pas prier si elle prie. Par exemple, c'est haram, mais elle va avoir des péchés si elle va prier en état de menstrues. Donc, il lui reste, yani, à faire toute autre chose à part les monstres, à part yani, de prier bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va voir maintenant ce qu'a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Comme il a dit, al-ha'id, celle qui a les monstres, mashru' laha ma yushra' li ghayriha. Il lui est permis ce qui est permis à d'autres, min dhikri ta'ala. Qu'elle, yani, fasse le adhkar. Naam, subhanallah, alhamdulillah. Il a dit, wa tasbihihi. سبحان الله كان سبحان الله وتحميده الحمد لله الحمد لله وتهليله لا إله إلا الله لا وتكبيره الله أكبر الله أكبر والاستغفار استغفر الله والتوبة وسماع القرآن لونتون لو كورون وسماع العلم لونتون يعني العلم لا سيونس والمشاركة في حلقة العلم إل بارتيسيب وزاسيز ديال لا سيونس وسماع ما يذاع من حلقة العلم لونتون يعني حلقة العلم لي زاسيز دو علم وحلقة القرآن لونتون سي والاستفادة من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو بروفيت عصام اديو سلكي حائض الى دي عائشة افعلي ما يفعل الحاج في تو سكو في لو حاج سوي كي اون ايتا دو ساكراليزاسيون بور لو حاج غير انك لا تطوفي بالبيت نعم نو تورن با اوتور دو لا كعبة بوكوا بار لو فات دو تورني اوتور دو لا كعبة لو حديث هذيك سيتي لا صالات. Quand quelqu'un tourne autour de la Kaaba, c'est comme s'il était en train de prier. Il a dit, alayhi sallam, sauf que Allah Ta'ala a permis de parler pendant le tawaf, pendant le salat. On ne peut pas parler. Pendant le tawaf, on peut parler bi'idhni Ta'ala. Donc, continuez à dire, Fa'adi, fais tout ce que fait le hajj, celui qui est dans le hajj. Il a dit, fa'amaraha. Il lui a ordonné qu'elle fasse tout ce que fait, ce que font le hajjaj, ceux qui sont au hajj, c'est-à-dire, elle peut faire la tilbiya, le zikr. Ou c'est le wujud sharia. Il a dit, sauf tawaf, sauf tawaf. Fait de la zalika, ceci prouve que, elle ha'id, elle est comme les autres. Nan. C'est-à-dire, elle jette les pierres, pendant le hajj, tout le bi, elle fait dhikr Allah, tout sabbih, elle fait tsbih, elle dit alhamdulillah, elle dit la ilaha illallah, wa tastaghfir. Yani, tu fais tout le shi ma'ada tawaf. Donc, c'est pour dire que, celle qui a des menstrues pendant le Ramadan ou autre, ça ne veut pas dire qu'elle doit rester croisée les bras. Elle peut tout faire sauf prier. Et il y a une divergence aussi par rapport à lire le Coran. Et le mieux, le plus sûr, c'est qu'elle peut le lire. Il y a une de récitation. Elle peut lire des sourates qu'elle connaît sans mushaf, comme ça, de récitation de sa poitrine, de sa poitrine. Non. Mais toucher le Coran, le mieux, c'est qu'elle ne touche pas. Même si Cheikh Al-Albani a dit que c'est permis qu'elle le touche. D'après le hadith qu'on vient de citer maintenant, fait tout ce que fait le hajj, sauf ne tourne pas autour de la Kaaba.
Et le Hajj, qu'est-ce qu'il fait? Cheikh Al-Albani, il a dit, entre autres, il lit le Coran. Donc, Cheikh Al-Albani a dit, celle qui a les menstrues, elle peut toucher le livre et lire. Non. Mais nous, on prend de l'avis de la plupart des savants qui ont dit que, vaut mieux, par prudence, ne pas toucher le Coran pendant les menstrues. Mais elle peut lire comme ça de son cœur, par récitation. Et maintenant, alhamdoulilah, il y a la tablette, il y a le smartphone, il y a, alhamdoulilah. On passe à Allah une autre question. Bi'idnillahi ta'ala. Am barakallahu fikum, Cheikh. La prochaine question sera la 9e question, Inch'Allah. Fadlan. Naam. Donc, 9e question. Est-il authentique de dire que les péchés sont multipliés en cette période de Ramadan? Allez, répétez deux fois, d'accord. Est-il authentique de dire que les péchés sont multipliés en cette période de Ramadan? Non. A été en double, cher. Double, non. Allez. Donc, la réponse, Inch'Allah ta'ala, on va voir la réponse, bi'idnillahi ta'ala, chez Cheikh bin Outhaymin, rahimahullah ta'ala. Qala Cheikh bin Outhaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Sharh al-Mumti', tome 7, page 262. En ce qui concerne, est-ce que, le hasana et le péché, la bonne action et la mauvaise action, comment ça double ou ça double pas, il a dit, par rapport à l'endroit, ça double, non, par rapport à l'endroit et par rapport au moment, on va voir comment. Il a dit, la bonne action se multiplie en quantité, et qualité. La bonne action, se multiplie en... Cheikh, vous avez perdu le mic. Naam, Cheikh, est-ce que vous nous entendez, Cheikh? Cheikh, on ne vous entend plus. C'est bien. C'est bon, alhamdoulilah. C'est bon. C'est revenu. Donc, par rapport, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses. Il y a la bonne action, le hasan, et il y a la mauvaise action, si il y a un péché. La bonne action, la bonne action se multiplie. Attendez, l'annotateur Hadak, une seconde, voilà. La bonne action se multiplie en quantité et qualité. Quant à la mauvaise action, elle se multiplie seulement en qualité et non en quantité. Allah Ta'ala a dit, من جاء بالحسنات فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. العام 106. Quiconque viendra avec le bien, c'est-à-dire le hasana, ça se multiplie 10 fois. Et quiconque viendra avec le mal, ne sera rétribué que par son équivalent. On ne leur fera point de justice. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Allah Ta'ala a dit aussi, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, c'est-à-dire à la Mecque, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Il a dit, وَلَمْ يَقُلْ, il n'a pas dit, Allah Ta'ala, نُذَعِفْ لَهُ ذَلِكَ, il n'a pas dit, on lui multiplie. Mais il a dit, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. بَلْقَالَ نُذِقْهُ عَذَابْ أَلِيم. فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة فيها. Donc, la mauvaise action se multiplie par rapport à quoi? Par rapport à, sa qualité, non pas en quantité. بمعنى, c'est-à-dire, أن تكون أشد, c'est-à-dire, elle sera plus douloureuse, نعم, et plus lourde, نعم. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il n'a pas dit on lui multiplie cela. Mais par contre, il a dit, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Ce qui implique la multiplication de la mauvaise action à la Mecque ou à Médine est une multiplication de qualité. C'est-à-dire qu'elle sera plus lourde, plus grave, et douloureuse. D'après la parole d'Allah, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris, donc la réponse c'est quoi? C'est que, ce n'est pas vrai, le fait de dire que les péchés sont multipliés en cette période du Ramadan. Si la personne veut dire que s'il fait un péché, ça va s'inscrire 10 ou 20 ou 50 ou 60. Ça, ce n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que le péché sera multiplié en sa qualité. C'est-à-dire, le péché sera inscrit en plus lourd. En plus lourd. Mais il ne sera pas 10, 15, 100 péchés. Non, le même péché restera le même péché. Mais puisque il a été fait pendant ce mois béni, pendant un mois béni ou là pendant dans un endroit béni comme à la Mecque ou là, Médine ou là, ça sera plus lourd, Non, mais le nombre restera toujours le même. Contrairement à la hasana, contrairement
à ces personnes. Si une personne fait une bonne œuvre, elle dit, ça va être multiplié. Il fait une hasana, ça peut être marqué chez Allah 10, 100, 200, 300, jusqu'à 700, ou peut-être même plus, bi'idhnillahi ta'ala. Ça doit être, inshallah ta'ala, pour, je crois, Allah ta'ala, la 9e ou la dernière question. On va voir. C'est bien ça, Cheikh, la 10e et dernière question. Maman. La 10e question, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, 10e et dernière question. Je voulais savoir comment doit-on réagir avec les koufars qui nous souhaitent un bon ramadan et une bonne fête quand vient le moment de l'Eid. Jazakumullah khira. Le kafir, ici quand il te souhaite un bon ramadan ou une bonne fête quand vient le moment de l'Eid. Le kafir ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait quelque chose, yani, qui, disons, est contraire à la charia. Il a fait un bon geste ou un beau geste. Ça ou là. Donc déjà, sans se baser sur yani, la religion, déjà comme ça, par la fitra et par la prédisposition naturelle, yani, on doit normalement le remercier. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bon geste. Non, il n'a pas insulté l'islam ou là. Par contre, yani, il a souhaité un bon ramadan ou une bonne fête. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, une seconde, on va passer à maintenant la réponse, les vraies réponses. Là, attendez, parce que je pense. Alors, ce qu'il faut savoir ici, là, ce qu'il faut savoir et comme réponse à cette question, et ça c'est très important ce que je vais dire, là, très très important, surtout pour ceux qui vivent avec les mécréants, qui vivent dans les pays de Kofar, ils doivent savoir, yani, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, avec, yani, les Kofar, bi'idhnillahi ta'ala, pour qu'ils sachent comment se comporter avec eux. Donc, ce qui est permis avec les mécréants, bi'idhnillahi ta'ala, on va commencer par, yani, la première des choses. Le rendre le salut, si le kafir me dit, salam alaikum, hein, je peux lui dire, alaikum salam. Wa alaikum salam. C'est pour ça qu'on a dit avec les conditions. C'est quoi les conditions, par exemple? Les conditions que, premièrement, j'entende bien ce qu'il a dit. Qu'il m'a dit vraiment, yani, salam alaikum. Parce que, au temps du prophète, alayhi salam, le Yahoudouda, il disait salam alaikum, salam. Il disait pas salam. Salam, c'est le mort, la mort. C'est-à-dire que vous, yani, des doigts contre la personne, qu'elle meurt. Mais, si la personne entend bien que ce kafir m'a dit salam alaikum, je lui dis wa alaikum. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, dans une de ses fatwas, il a dit, même s'il lui dit wa alaikum salam, naam, il a dit, c'est permis. C'est pas seulement wa alaikum, la phrase wa alaikum, mais wa alaikum salam. Pourquoi? Parce que j'ai bien entendu le kafir ce qu'il a dit, et il a dit salam alaikum, il n'a pas dit salam. Naam. Donc ça, c'est permis, inshallah ta'ala. Ce qui n'est pas permis, c'est de commencer. De commencer un kafir, que ce soit le premier, que ce soit moi le premier à lui dire salam alaikum. Je ne dois pas lui dire, comme dans le hadith authentique. Il faut que ce soit lui qui commence. Mais maintenant, si c'est pas le mot salam alaikum, c'est permis. Comme de dire, yani, bonjour, par exemple. D'après, yani, leurs habitudes. Non. Mais dire salam alaikum en commençant, ce n'est pas permis. Deuxièmement. Acheter d'eux et de leur vendre. Acheter d'un kafir ou bien lui vendre. C'est permis. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari muslim, j'ai écrit ici, Khaïba, Khasid Bukhari, mais muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un mushrik, à un kafir, il avait des moutons, il lui a dit, Abayoun am'atiya. Il a dit, tu vas nous vendre, là tu vas donner en cadeau, en don. Tu vas nous donner un mouton. Et le kafir a dit non, je vends. Bay, je vends. Donc, c'est permis d'acheter du kafir ou bien de lui vendre des choses. Ah. Qu'est-ce qui est permis aussi? Par rapport à les féliciter. Est-ce que c'est permis de féliciter un kafir, par exemple, il a eu son bac ou là, c'est permis de féliciter. Si c'est une circonstance religieuse, ce n'est pas permis. Comme yani, le féliciter pour son anniversaire, le féliciter pour yani, la Noël,
Ça, yani, Cheikh Ibn Othaymine dit, ça peut même faire sortir de l'islam. Ça peut faire sortir la personne de l'islam s'il le yani, félicite pour une circonstance religieuse et qu'il est ravi de cela. Et il est content. Il a dit parce que, pourquoi? Ça aide au coffre. Et ça veut dire que tu es ravi de ce qu'ils font. Et le ravissement du coffre, être ravi du coffre, ça fait rentrer dans le coffre. Donc, circonstance religieuse, ce n'est pas permis. Circonstances non religieuses, c'est permis de les féliciter s'ils font cela avec nous. Si j'ai un voisin, par exemple, qui est kafir, il a l'habitude de me féliciter pour des choses de la dunya. J'ai eu mon bac, il m'a félicité. Moi aussi, c'est permis de le féliciter, lui, pour son bac. J'ai eu un enfant, il est venu me féliciter, le kafir. Donc moi aussi, je peux le féliciter pour son enfant qui vient de naître. Pourquoi? Ce n'est pas une circonstance religieuse. Donc, pour la religieuse, ce n'est pas permis. Circonstance non religieuse, c'est permis, mais s'ils font cela avec nous, si ce kafir a l'habitude de faire ça avec moi, si lui il fait pas ça avec moi, moi je fais pas aussi avec lui. Vous avez compris la différence? Non. Quatrièmement, ce qui, par rapport les condoléances, leur faire les condoléances si quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt de la famille du kafir. C'est permis s'ils font cela avec nous ou par peur de subir un mal si on le délaisse. Donc, par rapport aux condoléances du kafir, c'est permis s'ils font ça avec nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai un voisin un kafir et comme quelqu'un de ma famille est mort, il est venu me faire des condoléances, moi aussi, si lui il perd quelqu'un de sa famille, je lui fais des condoléances parce qu'il a l'habitude de faire ça avec moi. Non. Mais à condition, quand je lui fais des condoléances, yani, je dis seulement ce qui est permis. Je ne lui dis pas, par exemple, Allah yirham. Allah yirham votre fils. Non. Mais je lui dis, par exemple, patience. Patience. On doit tous mourir. On doit tous, yani, un jour mourir. Et comme ça. Les prophètes sont morts. Les enfants des prophètes sont morts. Et comme ça. Donc, premier cas, s'il fait cela avec moi, ou alors, si j'ai peur, si je ne lui fais pas les condoléances, j'ai peur, yani, qu'il m'arrive un mal de sa part. Je sais que c'est quelqu'un de violent, là, qui a un revolver, là, hein, mais je sais que si je ne lui fais pas les condoléances, il risque de me tuer, ou risque de, là, je sais que c'est quelqu'un, par exemple, qui peut me faire un grand mal, ou de m'emmener en prison, là, parce que, il a beaucoup de connaissances. Dans ce cas, si je lui fais des condoléances, c'est par peur de subir un mal de sa part. C'est permis ça aussi, Inch'Allah Ta'ala. Cinquièmement, ce qui est permis aussi, une seconde, de rendre visite. De rendre visite. Par exemple, à cause d'une maladie. C'est permis avec l'intention de les appeler à l'islam ou bien de les attirer et dépancher leur cœur. Comme avec le malade juif, auquel le prophète, alayhi salam, est allé lui rendre visite. Il y a un juif qui est tombé malade, le prophète, alayhi salam, est allé lui rendre visite. Et il lui a proposé l'islam, il lui a dit, Aslim, yani, embrasse l'islam. Et son père, le père du juif, qui était présent, a dit à son fils, Ata' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est le prophète, il a dit, obéis. Et il a embrassé l'islam, donc c'est permis d'aller rendre visite à un kafir quand ils sont malades, mais pas à cause de la maladie, mais à cause de quoi? À cause de essayer d'appeler à l'islam, ou alors du moins de l'épancher son cœur, comme ça, doucement, doucement, pour après, l'appeler à embrasser l'islam, subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas terminé, c'est la dernière question, mais il reste des choses aussi, Inch'Allah Ta'ala. Sixièmement, c'est permis aussi d'accepter, leur invitation à un repas, par exemple. Un kafir m'appelle à un repas. C'est permis. Naam. Comme, Zainab bintul Harith, c'est une juive. Naam. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, le prophète Aslam, elle l'a invité. Non, elle l'a invité, il est allé manger chez elle. Et par malheur, elle lui avait mis du poison. Et alhamdoulilah,
Alhamdulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, yani, Allah Ta'ala lui a donné yani, un miracle, l'épaule, naam, l'épaule de laquelle il mangeait du montant, a parlé. Il lui a dit, attention, yani, je contiens du poison. Ibn al-Qayyim a dit, rahimallah, il a dit, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de ce jour-là, yani, il a eu mal jusqu'à mourir. Il a dit, d'après Ibn al-Qayyim, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Yani, yani par les suites, par la suite de ce qu'il a mangé de chez cette femme Zainab bint al-Harith. Naam. Donc le témoin du cours c'est quoi? C'est qu'il est allé manger chez elle. Naam. Et le juif qui a invité le prophète islam à manger du pain avec de la graisse, yani qui est devenu de l'huile, il a mangé chez lui, c'est un juif. Donc c'est permis d'accepter leur invitation. Ici, il y a une autre condition que j'ai pas citée. À condition que celui qui m'a invité ce kafir, naam, ne soit pas quelqu'un qui combat l'islam. Ne sont pas de ceux qui combattent l'islam. Mais un kafir, yani musalim, un kafir qui, yani, ne s'occupe que de lui-même et il n'a pas dans son but, yani, de combattre l'islam et les musulmans. Naam. Septièmement, ce qui est permis aussi, bi'idnillahi ta'ala, naam, c'est de payer quelqu'un pour un travail. Amener un kafir et le payer pour telle et telle chose qu'il travaille. Yani à la maison, yani il fait la peinture ou là, je sais pas ce qu'il fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, a demandé à Abdullah ibn Urayqat, un kafir. Hein, il lui a demandé, en contrepartie, il lui a donné de l'argent ou autre. Mouhim lui a donné une contrepartie. Hein, et ce Abdullah ibn Urayqat, quel travail il a fait? Il a yani, montré au prophète alayhi sallam comment quitter la Mecque pour aller vers Médine. Le prophète alayhi sallam ne connaît pas pour faire la hijra. Lorsque le prophète alayhi sallam yani, est parti vers la hijra, yani, de peur aussi des représailles des kuffars, il ne connaît pas le chemin. Donc il a demandé à un kafir en contrepartie, il lui a donné son cheval, ou j'ai oublié qu'est-ce qu'il lui a donné, c'est pour ça que j'ai dit payer. Quand tu donnes à quelqu'un un cheval, là, c'est comme tu l'as payé. Le cheval, c'est de l'argent. Et Mouhim, yani, il lui a demandé, il lui a montré, c'est lui qui lui a montré le chemin, comment aller de la Mecque vers Médine, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Ce qui, maintenant, par rapport à emprunter de quelque chose. Naam. C'est permis. Emprunter de comme à, j'ai oublié le A ici, comme à emprunter, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, son bouclier de Sofiane ibn Umayya. C'est permis d'emprunter d'un kafir quelque chose. Naam. Et cette chose que le fait que le prophète sallam est emprunté son bouclier. Naam. Certains ont dit qu'il n'a pas emprunté du tout. Il a dit parce qu'il n'y a pas quelque chose d'officiel, il y en a à 100% qui dit qu'il a emprunté. Et d'autres ont dit si. Il a emprunté une fois. C'est dans la bataille de Hunayn, son bouclier. Et certains ont dit, hein, qu'il a même emprunté des coffres deux fois, les boucliers. Dans la bataille de Hunayn et la bataille de Badr. Il a emprunté des coffres sans, de ce kafir, yani Sofiane ibn Umayya, sans bouclier. Et c'est très difficile, yani, de dire, il a emprunté à 100%, il n'a pas emprunté, parce que ça, yani, c'est dans le domaine de la sira. C'est pas le fiqh, ou là, comme le prophète Aslam, il était à Médine, dans la mosquée, on le voit prier, yani, des centaines de gens le voient. Donc, ils peuvent, yani, affirmer cela. Mais ça rentre dans la sira. Dans la sira, des fois, c'est le voyage, il est dans la tente, il est là. On ne peut pas être tout le temps avec lui pour yani, affirmer ou pas. C'est pour ça que dans la sira, c'est difficile d'affirmer comme c'est difficile d'infirmer. Mais yani, ceux qui ont dit comme Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymeen que yani, c'était permis de, yani, d'emprunter ou de prêter, ils se sont basés sur yani, cette chose. Non. Donc faire ruqya. Faire ruqya à un kafir. Non. Beaucoup ont dit que c'était permis. Ils se sont basés sur le hadith de Abu Sa'id dans le Bukhari. Naam, que il a fait ruqya à un kafir. Parce que Abu Sa'id, radiallahu ta'ala, était avec un groupe de gens et ils étaient dans le désert, ils avaient déplié leur tente et ils n'avaient rien à manger.
Ensuite, il y a des kuffars qui sont venus, il y a dit, se poser devant eux. Pas loin d'eux, ils ont déplié leur tente. Et alors Abu Saïd leur a envoyé hein, pour demander s'ils pouvaient hein, leur donner quelque chose à manger. Alors les kuffars, et le chef n'a pas accepté, il a dit non, on ne donne pas. Quelques instants plus tard, Nam, le kafir là, le chef, a été mordu par un scorpion. Et il a envoyé aux musulmans qui étaient avec lui, donc il a envoyé à Abu Saïd, pour leur dire, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait faire ruqya? Alors Abu Saïd, radiallahu ta'ala anhu, Abu Saïd Khudri a profité. Il a dit, je ne fais ruqya que si vous me donnez 30 moutons, parce qu'ils étaient 30. Nous, tout à l'heure, on a demandé à manger. Vous n'avez pas accepté, vous avez refusé. Maintenant, hein, qu'il a été mordu par le scorpion, vous demandez ruqya. Alors, je fais ruqya, 30 moutons. Et bien sûr, qui a été mordu? C'est le piqué, disons, piqué par un scorpion. Je crois que c'est mieux que mordu. Allah alam. Qui a été piqué par le scorpion? C'est le chef. Alhamdoulilah, c'est le chef. Si c'était pas le chef. Le chef, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, laissez-le mourir. Moi, je donne pas 30 moutons. Mais comme c'est le chef qui a été piqué, hein, il a accepté et Abu Saïd lui a fait ruqya. Il a fait ruqya. Et il a lu sur lui seulement le Fatiha. Certains ont dit 7 fois. Non. Il a été guéri sur place, bi'idhnillah ta'ala, pour savoir, yani, c'est quoi, yani, le, yani, le, ta'fir, yani, l'impact de Fatiha. Celui qui l'a lu comme, l'a lu, Abu Saïd, c'est pas comme on l'a lu, nous. Alhamdulillah, rabbil alamin, rahman, rahim, ayyou. C'est pas comme ça. Comme ça, tu es en train de jouer, presque. Non, celui qui l'a lu avec khushu et connaissait quoi, yani, le sens de ces versets, comment, yani, à la seconde même où il l'a lu, l'autre a été guéri de l'idnès à l'autre. Et là, ici, je profite pour dire que certains d'entre vous vont dire que, puisqu'Abu Saïd a fait comme condition de me donner 30 moutons, bien je fais pas la ruqya. Alors, est-ce que c'est permis de demander des conditions dans la ruqya? Hein, donnez-moi 100 euros, je fais pas la ruqya. Cheikh Rabi' Hafidhallah a répondu, il a dit, celui qui dit que c'est permis en se basant sur ce qu'a fait Abu Saïd, on lui répond, Abu Saïd, quand il a fait la ruqya, l'autre a été guéri sur place. Si toi qui veux faire la ruqya, tu dis j'ai des conditions, alors si tu es comme Abu Saïd, tu es sûr que tu as une ta condition, tu es sûr que ta ruqya sera acceptée, alors fais des conditions. Voilà ce qu'a dit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Deuxièmement, leur donner de la zakat al-mal, c'est permis dans le but de les attirer vers l'islam ou pousser un mal d'eux. Mais c'est pas permis de leur donner zakat al-fitr. C'est permis de donner au kafir zakat al-mal, c'est pas permis de donner zakat al-fitr. Naam. Et zakat al-mal, on la donne avec quel niya? Avec pour l'attirer vers l'islam. Ou bien, j'ai peur de lui. C'est quelqu'un qui fait un grand mal. Là, je lui donne la zakat pour repousser son mal. Naam. Et Cheikh Al-Uthaymeen a dit, naam, c'est permis de la donner aussi dans le but d'attirer vers l'islam. C'est permis de la donner à un musulman fasiq pervers qui boit de l'alcool ou là, dans le but de l'attirer. Il a dit, si on peut attirer un kafir, par prédominance, on attire un musulman qui est pervers. Un musulman qui boit de l'alcool, qui boit de la drogue, qui boit, lui dans la zakat, mais toujours zakat, même pas zakat al-fitr, dans le but de l'attirer. Dans le but que, inshallah ta'ala, yani, il va rentrer dans l'istiqama, il va s'investir dans le din, inshallah ta'ala. Là, ce qui est permis aussi, inshallah ta'ala, bi'idhnillah ta'ala, naam, une seconde, c'est de leur donner, naam, de nos biens, de notre argent, de ce qu'on possède, hein, comme, non, surtout si on craint qu'il meure, on va arriver à cela. C'est permis de donner au kafir, d'après le hadith de Esma. Esma, radiallahu ta'ala, comme dans le Bukhari, elle a dit au prophète, alayhi salam, ma mère qui est mushrika, qui est kafira, yani, elle va venir et elle me demande que je lui donne des choses, de l'argent, etc. Il lui a dit, donne-lui, alayhi salam, il lui a dit, donne-lui. Donc, c'est permis de leur donner à ma mère, aux gens, à son kofa, permis de leur donner, surtout si on craint que la personne, ce kafir, va mourir si on ne lui donne pas. Donc, s'il meurt de faim, par exemple,
ou bien il a besoin d'une chose, si on ne lui donne pas d'argent, il va mourir. Il a dit, c'est permis de lui donner, à condition que ce ne soit pas quelqu'un qui combatte l'islam. À condition que ce ne soit pas quelqu'un qui combatte l'islam. Et le dernier, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Allah Ta'ala a fait des éloges à certains gens, il a dit, et ils offrent la nourriture malgré son amour, malgré qu'il aime cette nourriture, mais il la donne aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Le dernier ici, dans ce verset, que c'est permis de la donner au kafir, c'est le mot aux prisonniers. Car le prisonnier, c'est qui? Est-ce que le prisonnier, c'est un musulman quand on fait la guerre? C'est un kafir. Donc il a dit, on lui donne la nourriture, malgré qu'on l'aime. Il a dit, c'est permis de la donner à un kafir. Et quand il a donné, il a dit, on donne la nourriture, c'est de l'argent. La nourriture, avec quoi tu l'as acheté? Tu l'as acheté avec de l'argent. Quand je donne à quelqu'un un peu de riz, ça veut dire que je lui ai donné un peu d'argent. Le riz, je l'ai acheté avec de l'argent. Donc on va terminer, inshallah ta'ala. Qu'est-ce qu'il reste ici? Et aussi, comme Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a donné un aumône à la juive. Elle lui a donné de l'aumône. Elle a donné de l'aumône à une juive. Et cette juive lui a fait des doigts. Il lui a dit qu'Allah te préserve du châtiment de la tombe. Qu'Allah Ta'ala te préserve du châtiment de la tombe. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, à condition que la personne juive ou à qui on va donner de l'aumône ne soit pas de ceux qui combattent l'islam. Ils ne sont pas de ceux qui combattent l'islam. Non. Alors, ce qu'il y a ici. Et, regardez d'après le hadith d'Abdullah ibn Amr, qu'il a égorgé un mouton. Il est allé prier, il est revenu. Quand il est revenu, il a dit, Ehdeitum li jari al-Yahudi, est-ce que vous avez donné un peu du mouton? Un peu à mon voisin le juif? Vous avez donné à mon voisin le juif? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, mazal Jibril. Jibril, mazal yusayni biljah, tazalantu nahu, sayurithu. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement qu'il parlait du voisin, qu'il fallait avoir un bon comportement avec lui, jusqu'à ce que j'ai eu peur, que quoi? J'ai eu peur, qu'il allait rentrer dans le mérat, il allait rentrer dans l'héritage. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand il est revenu de la mosquée, est-ce que vous avez donné du mouton à mon voisin, le juif? Ah, donc, c'est permis de donner, qui a né la nourriture ou de l'argent ou là à même quelqu'un. Ou de les utiliser, les kuffars, ou de leur demander de l'aide si c'est pour l'intérêt de l'islam. C'est permis, de demander de l'aide à un kafir ou de l'employer, de l'utiliser dans un but pour la maslaha de l'islam. Comme le prophète à l'islam a envoyé quelqu'un qui s'appelle Khouza'a, il l'a envoyé comme Jesus, c'est-à-dire comme espion. Dans la bataille de l'Hudaybiyah, le prophète Hassan a utilisé un kafir qui s'appelle Khouza'a. Il a envoyé pour qu'il lui ramène les informations. Et aussi, il a employé à Hassan un groupe de kuffar pour lui apporter des informations sur l'ennemi, dans une autre bataille. Donc, le prophète Hassan employait et utilisait les kuffar aussi, s'ils sont bien sûr des gens de confiance, pour qu'ils ramènent des informations sur, si c'est pour l'intérêt de l'islam. Et ça rentre dans l'espionnage en islam. Pourquoi j'ai écrit ici bombe? Pour me rappeler et vous dire que, regardez par exemple la deuxième guerre mondiale, lorsque les Américains ont envoyé deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, la bombe nucléaire qui a fait des ravages. Allah Ta'ala, les châtis de la façon que Allah Azza wa Jalla choisit. Et le mouhim, quand ils ont envoyé la première, combien qu'ils avaient deux bombes contre les Japonais? Ils avaient seulement deux bombes. Deux bombes seulement. Ils ont envoyé la première, elle a fait ravage sur Hiroshima. Et la deuxième, sur Nagasaki. Ils ont dit, et maintenant on va envoyer
La troisième année qui va faire plus de ravages. Alors qu'il n'en avait que de naître, quoi, le statut de l'espionnage, qu'il est très important. Si les Japonais savaient que les Américains n'avaient que de bombes, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Donc, ils auraient patienté, ils auraient, bien sûr, le cours de la guerre, ça aurait été transformé. Ils auraient battu les Américains, c'est sûr. Non. Mais puisqu'ils n'avaient pas d'espionnage, ils n'ont pas su que les Américains n'avaient que deux bombes, d'abdication. Donc, le prophète Hassan employait les kuffars pour l'espionnage. Non. Une fois, on a sauté une chose. C'est permis aussi de leur laisser des choses en dépôt. Ça s'appelle wadi'a en islam. Je vais voyager, je laisse mon or chez le kafir là, si c'est un homme de confiance. Allah Ta'ala dit wa min ahli kitab man ta'minu bi qintalin wa dilik. Parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintal, il a écrit en arabe, un quintal, il te le rend. Il y a des gens, non, mon voisin le kafir, c'est permis que je lui laisse quoi? Je lui laisse quelque chose en dépôt. Non. Et quinzièmement, je pense que c'est la dernière des choses, Allahu Ta'ala alam, non. C'est possible, et la vie, c'est possible de se soigner chez lui, se soigner chez un kafir, non. Fadal. Naam, smahou li cheikh. Ça fait depuis à peu près 2-3 minutes. Fadal, Samir, c'est quoi? Naam, c'est cheikh, vous avez des petites coupures. Ça fait un effet. Et là, je pense que même là, vous m'entendez en décalé parce que votre connexion, oui. Elle est très là, je suis cheikh. Et même Kamel m'a confirmé que la connexion, là, à la fin, elle est un peu lourde. Taïeb, j'ai terminé, alhamdoulilah, maintenant tu m'entends? Là, on t'entend, cheikh, on vous entend, alhamdoulilah. Samir, tu m'entends? Je termine, enfin, c'est la dernière. Et c'est permis donc de laisser des choses en dépôt chez les kuffars, comme c'est permis de se soigner chez le kafir. S'il est honnête, il est digne de confiance. Si le kafir est connu, ce kafir, ce médecin que je connais, est connu pour être honnête et quelqu'un digne de confiance, mieux que cela, Cheikh Ibn Uthaymin, n'am, il a dit que c'est permis, n'am, c'est-à-dire on le fait avancer, n'am, sur le médecin musulman, si ce kafir a plus de science dans son métier. C'est-à-dire, si je connais un médecin musulman, et un médecin plus fort dans sa spécialité que le musulman. Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est permis d'aller chez le kafir. On va chez lui, on va pas chez le musulman. À condition qu'il soit quelqu'un. On va voir, je pense qu'on a terminé. Attendez, je vois seulement une chose. Voilà. Je vois la connexion, donc ça commence à jouer. Ah. Donc on a terminé Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui.